Oh, ça repart du sable au centre et but numéro 5. Oui, Pat. Julien. Alias Pat. Alias Pat. Patatra. Patatra. Oui. Allez, ça temporise. Et c'est tour Mathieu, on part très fort à gauche. Il y avait qui faire gagner, il prend le jeu. Il prend le jeu. Quel dommage. Sortez-la. Sortez-la. Allez, on essaie de récupérer le côté de Chambly. Allez, fin de passe. Allez, va-t-il nous refaire la même sur la droite cette fois. Allez, c'est une fois à droite pour match, mais ça ne passe pas. Oh, balle au sol. Allez, c'est quand même récupéré par Thomas. Et ça tourne à droite, ça. Oh, et ça marque. Oui. Ça marque. On vous signale que Thomas soin. Thomas, tu as une petite trace sur l'arrière-plan, on me précise. Je vous demande de lui. Allez, match qui entre à la maison. Ça s'organise, ça repart. Voilà, grosse passe en lob, carré sur personne. Et c'est récupéré par match. Et ça repart pas à nouveau sur les droites. Oh, dommage, ça peut faire. Eh, joli. Oh, interception de Thomas Thoreau du pain. Ça va repartir très vite. Ça va repartir très vite. On laisse jouer l'avantage et ça va peut-être exciter. Non, ça ne trouve pas. Il est bien là. Que l'arbitre va revenir sur la un an plus deux. Ce sera une pénalité numéro 2. Direct ou indirect, on ne sait pas encore. Ce sera indirect, nous serons à 15 mètres. Putain, ils sont chauds. Non, il a attrapé les rênes et il a attrapé en plus de les rênes. Hey, Thomas qui est en pression du ballon. Alors, je prends la parole deux secondes. Non. Vous avez vu, vous rendre compte qu'à la buvette, on servait les sodas en bouteille en verre. Alors, il y a une consigne là-dessus, hein, puisqu'on vous les vend 2 euros, mais il y a 50 centimes de consigne. Donc, si vous ne les ramenez pas, on ne peut pas vous rendre la consigne. J'en ai vu pas mal par terre, donc s'il y en a qui sont malins, bah, ils récupèrent les consignes, ils récupèrent l'argent.
autrement, voilà, sachez que pour les bouteilles en verre, il y a le consulte de soda sorti. Et la boisson est à 1,50€, 2€. C'est un moyen de tout payer. L'année dernière, on a couru après les consignes. Donc, voilà, c'est tout bête. Et sachez que les consignes sont à rembourser. Oula. Alors on a toujours un problème avec l'équipe de Carpe Diem. L'équipe de Carpe Diem, on n'a toujours pas la feuille de match. Donc on ne va pas pouvoir commencer le match. L'équipe de Carpe Diem, ça fait à peu près depuis ce matin qu'on les cherche. Alors, a priori ils sont sur le terrain. Est-ce que quelqu'un de l'équipe de Carpe Diem peut venir à la tribune pour faire la déclaration? On pourra faire la feuille de match. Oui, je dirais que c'est bien. Allez, ça joue vite, c'est récupéré par la défense de Machin. Allez, on va rentrer s'organiser. Allez, ça repart vite sur l'aile gauche. C'est Thomas qui le ballon. Que va-t-il faire? Prendre un risque ou pas? On ne sait pas. Allez, ça repart vite. Ça, on va y aller en haut. Ça va aller. Oh, jolie passe de dernière seconde. Mais non, ça ne prend pas le supérieur. Me dit que Thomas change d'équipe. Eh, joli passe, joli shoot. La défense, c'est complètement à la ramasse. Hein. Allez, 7-5 pour match, deux petits vides de retard. 7-5 pour match. Pour match, pardon, excusez-moi. Deux petits vides de retard pour l'équipe de Chambly, va-t-il revenir au score? Allez, 1 50 encore. Deux petits vides de retard pour l'équipe de Chambly. Et ça va prendre le shoot de loin et ça marque. On statique en défense. Allez, a priori, Chambly se remet en selle, repart. Quelle superficie, quelle envie de chaque équipe. Allez, ça va jouer vite, ça va être récupéré, ça va être boxé du côté de Mâche. Allez, il y a un seul petit but de retard qui va prendre le large, qui va revenir au score. On se le demande. Allez, l'action est lancée du côté de Mâche, ça part très vite à gauche. Tu vas tout passer, non, on ne veut pas prendre de risque dans le bout de l'or. Allez,
Allez, ça repart du côté de Machon. On va prendre, on trouve à droite, ça passe fort. On remet au centre, on saute et là. Défense, c'était bien là. 40 secondes encore, que va-t-il se passer dans cette fin de match? Qu'un petit but de différence. Dion. Hey, c'est un temps mort demandé par l'équipe de Chambly. Trouver la dernière stratégie. Alors nous allons partir sur une pénalité numéro 3 il me semble pour l'équipe de Chambly. 24 secondes, un petit but de différence entre ces deux équipes. Que va-t-il se passer? Allez, le chrono est reparti, c'est bon. Que va-t-il se passer? Chambly va-t-il trouver le dernier but? Temps mort, arbitre. De quoi ils parlent les arbitres là? De quoi ils parlent les arbitres? Il n'y a rien eu pourtant là. Bah non, il n'y a rien eu. C'est pour ça. Allez, il y aura 3 secondes de plus par rapport au tableau d'affichage. Je crois qu'il y a dû y avoir quelque chose hors du ballon là. Bon alors on me dit qu'on restera sur ce temps-là. Allez, ça repart sur le niveau de Chambly. 10 secondes avant la fin du match. On va essayer de trouver. Oh là là, ça tape le fer. Et... Ouh. Victoire sur le fil, hein. Sur le fer, on va dire. We are doing. We are doing.